Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour une petite partie de Overwatch avec Neko. Bonsoir Neko. Yo tout le monde. L'écolab Antarctique. Venez acheter mon écolab Antarctique. Pas cher, pas cher. Oh, il s'appelait Funny Kangoro. C'est nous les kangourous, c'est nous les kangourous. Qui se souvient encore de ça? Moi, j'aime bien. C'est nous les kangourous, c'est nous les kangourous. Après, il y a eu Kangoo Junior. C'est nous les kangourous, c'est nous les kangourous Junior. Et en non, ayant revu. Rendez-vous tous à School Island. En ayant revu les épisodes, je peux le dire sincèrement. Il y a Angers, ils sont trois sur moi, c'est grosse de merde, les kangourous. Mais, bizarrement, quand on était gosses, pour nous, cette grosse merde, c'était bien. Chopper, il sait pas jouer, Chopper, il sait pas jouer. Et la première fois, et c'était la première série où un Kevin était mis comme quelqu'un de cool. Parce que pour rappel, pour rappel, le mec badass, tu sais, colère, un peu à la Raphaël dans les kangous, il s'appelait Kevin. Ça ne marche pas maintenant. Maintenant, les Kevin, c'est tous des bofs. Ça a toujours été comme ça, mais sauf lui. C'est la seule exception. Tous les Kevin qui s'étaient abonnés à ma chaîne vont se désabonner. Mais on voulait pas de vous à la base. J'allais donner un autre prénom, mais je vais pas le faire. Vas-y, dis. Non, c'est pas bien. Erwan. Tu connais la personne, frère? Non. Ah bah, je m'en bats les couilles. Au-dessus, au-dessus, au-dessus! Voilà, vous les avez là. On a plus qu'une. Allez. Elle est au-dessus là-bas. Elle a mis sa mine, hein. Elle a mis sa mine dès l'entrée. Baby! Elle l'a retirée. Elle l'a mis ailleurs. Ouais, je la vois. Attends. Ouais, bah. Tu sais que t'as une téléporte, hein? Non, pas celle-là, enfin, l'autre. En fait, j'ai peur qu'elle me téléporte. Enfin, je me téléporte. Mais t'aurais pu te téléporter tête. Derrière, là. Elle allait passer par cette porte au cas où tu le rêves. Et ensuite sont venus les Renault Kangoo et tout a changé. Tu sais, c'est dommage, ils ont raté l'occasion d'avoir de. Comment. Des mascottes promotionnelles pour la Renault Kangoo. Grave. Parce qu'imagine, tu démarres la pub et hop, t'as les kangous qui dansent sur un terrain de basket avec les bagnoles. Et ils font, c'est nous les kangous, c'est nous les kangous. Et après, t'as l'autre avec la voix de Bruce Willis là qui fait ceux qui prennent pas leur Renault Kangoo, sincèrement, vous êtes vraiment des enfoirés. T'as pas le droit de dire enfoiré à la télévision. Je m'en fous, je suis un kangourou, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et merde, je les avais de toute façon. Tirate-le! C'était une victoire facile. Un Zorage Kit! Oh! Et on rajoute un peu de sel sur leur play. Ouais. Tiens, c'est parti. Esprit sportif. Esprit sportif. Un 6-10. Revoyons cette action au magnétoscope, Thierry! C'était du tir au pigeon. Je dirais même plus, c'était du tir au Genji. Parce et que du tir à l'outil. Bah parce donc. Que tous les joueurs Genji sont des pigeons. Tout à fait, Thierry. Ouais, ouais. Alors, on est attends, d'accord. Là, j'enregistre ce qu'on dit. Attends, on va aller voir ça. Parce qu'apparemment, le nouveau skin de Lucio est intolérant au lactose. Oh, regarde, non, Winston. Oui, Winston. Intolérant au lactose. T'as dit Lucio. Merde, attends. L'arme.
Ah mais putain, mais ouais. mais c'est la cathédrale Notre-Dame en feu. C'est eux qui l'ont cramé en fait, je crois. C'est genre Blizzard, il dit. C'est des enculés. C'est Blizzard qui dit oui, alors on n'a pas fait exprès. Aïe aïe aïe. En même temps, j'avais dit que les machins de braise dans la gargouille, c'est une putain de... C'est plutôt que c'était en feu, mais là ça confirme. Moi j'ai carrément été voir l'arme, tu sais. C'est un god Michel Ligieux en plus, son truc. Aïe aïe aïe. On dirait une dague que t'aurais dans Assassin's Creed pour l'envoyer dans les culs des gens. Alors t'as le skin de Winston et t'as Brigitte qui représente la France aussi. Oui, parce qu'elle est là pour. Brigitte CRS quoi. Après, c'est les gueules aux gilets jaunes. Elle est là pour frapper les gilets jaunes. Ah, mais j'avais pas vu. Regarde son bouclier. Bah c'est carrément un bouclier de CRS. Oui, c'est clairement ça. C'est des trucs entiers, mais en plus son truc c'est un taser. Aïe aïe aïe. Regarde, la masse c'est un taser. Ouais, c'est un taser. Ouais. Parce qu'il fait de la... Oh putain. Ah mais là c'est entre Baptiste qui est un gilet jaune et Brigitte qui est juste là pour lui servir de truc. Voilà, maintenant on a le contre pour Baptiste, ils l'ont montré, c'est Brigitte. Bienvenue. Mais on n'est pas au jeu d'été, on est au jeu anniversaire. Je suis désolé, monsieur le présentateur, mais vous êtes pas très. Oh, c'est du foot de rue! C'est du foot de rue! Fils de pute! Au revoir! Putain, salope! Attention! Mais non, elle va rentrer là! Non, pousse! Voilà! Pousse! Non, mais pourquoi elle retourne en arrière? Non. Nerahe. Fils de pute. Fils de pute. Fils de pute. Fils de pute. Non, elle rentre pas. Push. Ça part. Mais sérieux, ils vont plus vite que moi. Push. Quoi? Mais je l'ai poussé! Je vais péter un câble. Mais je l'ai poussé, regarde ça! Voilà, il est envoie. Et pire, c'est ça, on peut même pas moi, zapper quoi. Je pousse. Et elle reste là. Et ça écrit GOL, G-O-L, parce qu'ils savent pas écrire. Non, voilà. Mais c'est parce que c'est des Mexicains. Ouais, bah je m'en fous, ils savent pas écrire. C'est des Mexicains du Brésil. Mais putain, t'as pas dedans quand il. On va passer le mur du sang. Non, mais. C'est pas vrai. Envoie. Elle est dedans là. Oui. Allez, chat. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette action. Ah bah elle fait ça, le Nicolas envoie, le gars il fait c'est bon je l'ai safe, BOUM! Il regarde autour de lui en mode, bon. Mais d'où il vient lui? Pourquoi t'es tout vénère? Pourquoi t'es tout vénère? Moi je l'attends là, ah bah. Vas-y mets-la. Mais non mais. Mais tu pouvais la mettre là. Vas-y tu veux que je te la mette? Non mais ne venez pas, je suis là. Attention. C'est foutu. Bah non, parce qu'il s'est pas visé. Regarde, t'as vu? Rien n'est joué tant que ça... Putain, mais tu l'avais, pourquoi t'as pas tapé dessus? T'es con. Mais tu l'as mis. Si tu tapais dedans, elle serait rentrée. Regarde comment j'étais. Mais il l'a de toute façon mis contre son camp, regarde sa tronche. Hop, et c'est lui qui la pousse dedans. C'est lui qui la pousse dedans.
Oh, vous allez jouer, moi je vais rester au goal parce que vous savez pas se défendre. Voilà. Moi je sais défendre. Moi je reste là, moi. Parce que je sens que le Neko il va faire des dégagements. Merde, j'ai raté. On va passer le mur du sang. Ah, reviens, reviens. Plus qu'une minute avant la fin du match. Ils ont déjà deux, putain. Putain, mais elle passait là. Mais ils sont à 3 dans le goal là. C'est quoi en... C'est quoi ces gros fils de pute là? Mais putain, mais laissez-nous jouer! Merde. Non, mais non, mais non. Là, il la met pas, il la met pas, il la met pas. On va passer le mur du sang! Pourquoi? On égalise. Ce qui ne sert strictement à rien. Pourquoi t'es tout vénère? 3, 2, 1. Pourquoi t'es tout vénère? Je vais envoyer du lourd! Ça dégage. Vous êtes prêts? Vous sentez ça? Ça dégage. Oh non! Putain, mais je l'avais! On aurait pu la mettre! Allez, 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 allez! Tout n'est pas de fini plus. Tant que le Neko n'a pas fini de rager. Non! Attention, frère! Putain, ils ont pas tous du lourd! Vas-y, envoie du lourd! Vas-y, tu dégages! Ils sont tous les trois là! Non! Mais non! Mais non! C'est pas possible! Et comme par hasard, on le verra pas le dernier. Non, mais de toute façon, c'est de ma faute. Donc voilà. T'es une grosse pute. Voilà. Ouais, je sais. Ah, on est au stade de Boussin, on peut pas perdre. Pourquoi t'es tout vénère? Je suis chez moi. Pourquoi t'es tout vénère? Ouais, pourquoi t'es tout vénère? Non, 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 non. Waouh. Quel arrêt! Il y avait personne en plus. Non mais. Bon vas-y, je te regarde. Et merde! Ah mais la balle, on peut même pas s'en approcher quoi. Dès que je m'en approche, il y en a un qui tape dedans. C'est ça. Mais non, mais. Elle rentre. Putain! Goal. Vas-y, je reste là. J'attends la balle. Mais putain, mais j'ai même pas le temps! Mais la balle a fait. Le mec il se téléporte dessus! Mais le mec il se téléporte sur la balle! Regarde-moi ça, et boum! Et c'est toujours lui, il la reçoit genre. Ah, mais le pire, c'est que c'est des putains de latinos qui jouent KO Lucio Ball. Bah, normal. Jaroski, Super Tijuana. C'est des bouffeurs de tacos. Oh, vous sentez ça? Olivier. Bah, oui, bien sûr. Ils sont toujours allez. En forme, Tom Olivier. Ils sont super entraînés, mais pas un pochetron. Ils sont venus pour gauler. Je vous encule, moi, je vous encule. Non mais c'est toi, t'es Olive, toi. Ah, t'es Olivier, toi, t'es Gaul. Et t'es le Gaul qui prend, il prend la balle en main, il la lance, elle entre dans le goal ennemi. Et tout le monde le regarde en mode... Ah
de faire la technique de la tour Eiffel, moi, tu vois. Tu veux dire des passes? Ouais. Ils sont à 3, ils sont à 3, vas-y, dégage! Dégage là! On attend que ça! Mais quoi, mais comment ils font pour revenir en arrière aussi vite? Allez, 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 allez! Technique de la... Mais putain! Non, elle est passée à côté! Technique de la tour Eiffel! Allez! Technique de la tour Eiffel! Fais la technique de Notre-Dame de Paris! Notre-Dame de Paris! Non, j'ai cramé! Vas-y, dégage-la en l'air. Non, mais... Allez, ah non, j'ai cru qu'elle était dedans. Elle est juste passée au-dessus. Mais non, mais à chaque fois que je m'avance sur la balle, elle est derrière moi. On dirait des primats. Oui, c'est moi. Mère. Moi, de où je suis, on dirait trop des trisomiques qui sont en train d'essayer de choper un ballon. Regarde ça. Regardez les trisomiques. Et puis, but contre son camp, plus le mec. Non, par contre, moi, je reste pas là. Hein. Non, mais je vais y aller. Allez, on leur met des bâtons dans les roues. Ce qui implique sa sodomie. Frère. Mais ils sont par où, on fait comment? Merde, j'avais prévu ça. Non, mais non. Bien sûr. J'ai essayé de la rattraper en l'air, j'ai pas réussi. Putain, vous me forcez à faire de la tectonique. J'ai essayé, hein. Oh, oui. Mais t'as eu des problèmes. Ok. Il faut qu'on fasse le coup de l'aigle. Ah là, je vais refaire le coup de l'aigle. Putain. Ah merde, j'ai cru qu'elle y était. Moi aussi, j'ai cru que la technique de l'aigle allait marcher, mais... En fait, c'était un pigeon. J'ai cru que je me suis pris pendant un instant pour un aigle royal. Un pigargue. Ça dégage. C'était pas la technique de l'aigle, ça c'était la technique du pigargue. Regardez-moi cette technique du pigargue. Dedans. Le pire c'est qu'ils auraient tellement pu l'arrêter. Juste mis un coup de poing dedans. Coucou. C'est, ça c'est l'équipe de France de foot. Pourquoi t'es au vénère? Vas-y. Y'a plus rien. Canard WC. Canard WC. Canard WC. Le tir du canard WC. J'entends pas les rageux. Le tir du canard WC. Je sens comme il tient les caméras. Merci, inspecteur Magret. Bien, alors, il fait une chance de gagner, non? Merci, inspecteur Magret. Oh, vanish! Merde. Et les tâches s'évanouissent! Non, tu ne fais pas de tir de l'aigle, toi. En fait, c'est encore une victoire de canard. Ils sont trop cons, ils utilisent jamais les boosts verts. Pas des boosts, c'est pour sauter. Action de la partie. C'est pas juste, pourquoi c'est lui qui a l'action de la partie alors que c'est Tafun qui a fait le tir. El tiro del canard del toiletto. El canard del vesetto. Pourtant le mien il était beau en plus. Merci à tous.
L'homme du match. Merci à tous mes fans. Pour le canard WC. Attends, j'ouvre un coffre. Le coffre. Et c'est de la merde. J'ai eu du caca dans le premier. Moi aussi j'ai eu du caca. Attention le deuxième. Laissez faire l'experte. Et la danse de Brigitte. Du violet. La danse de Brigitte. Et d'argent. J'ai la danse de Diva. Et moi je voulais une danse K-pop, putain, mais ils ont fait de la merde à Steven, putain. Tout le monde y a cru. La danse de Brigitte. Secrète. La technique du canard des toilettes. Non, c'est moi la technique du canard WC. Moi c'est le pigard. Toi c'est le pigard. Moi j'ai pas encore de technique. Bah toi t'es juste un goal quoi. Ouais mais je fais des buts. Je te signale goal. Que dans Olivier Tom, le goal des fois il avait des techniques. Ah le bâtard. Toujours un moment je me rappelle d'une fois j'ai regardé un épisode où t'avais machin le goal. Et ben il a pris voilà comme ça. Il a pris le ballon et au lieu de le réengager, il a mis à son pied et il a couru vers le goal ennemi. Mais comme les terrains ils font 10 km, ben il est mort avant d'arriver. Comme on faisait dans FIFA 2000. De vieillesse. Mais FIFA 2000, c'était les bails. Pourquoi t'es tombé ? Moi je taclais l'arbitre. Qui ne l'a pas fait ? Et à chaque fois l'arbitre il me retirait des joueurs, du coup je finissais le match avec deux joueurs. Mais c'est pas possible, normalement le jeu il aurait dû te retirer tes troupes du coup. Non, parce que c'était FIFA 2000. Le pire c'était FIFA 98. C'était en l'an 1998. Oh my god. Je suis nul. Vas-y, tire du pigard. Bâtard. Le tir du pigard à tête blanche. Là en fait on a juste un match entre les deux goals. Mais non. Ça ils ont envoyé juste la balle entre eux. Regardez-moi ce match entre les deux goals. Nous on était lents, on était en train de regarder. Et puis là, moi j'en ai marre que vous jouiez qu'à deux, je veux jouer. Et jamais le Lucio qui s'arrête là en mode ouah. Pourquoi t'es tout vénère? Pourquoi t'es tout vénère? Bah allez, va nous montrer ta technique, moi je reste au goal. Ok. Regarde, il attend qu'on vienne. Non mais j'irai pas. Moi non plus. Le problème c'est que Lucio qui répète quel arrêt. Non, je suis pas là, pour rien. Bon alors elle arrive quand la balle? Bah j'essaie de vous l'envoyer mais il y a trois cons autour de moi qui font. Vas-y frère. Vas-y, fais-nous un truc de ouf! Ce mix va envoyer du lourd! Mais putain, non, j'aurais dû rester là-bas! J'ai essayé de la pousser, mais ça marchait pas, regardez-moi ça! La balle elle est là! Moi je dis putain, faut pas que je la fasse rentrer! Je la pousse, et au moment où mon animation push, la balle elle bouge pas! Pourquoi t'es tout vénère? Pourquoi t'es tout vénère? Pourquoi t'es tout vénère? Oun. Non mais ici on peut pas gagner, faut qu'on ait Goussan. Vas-y. Mais il m'a piqué ma balle. Cet enculé m'a piqué ma balle. El tiro del pigardo. Ouh le passerait pas. Arrêtez de jouer à deux. Non mais c'est ça putain. Mais laissez-nous jouer. Non mais là oh. Hein, je veux bien mais il y a un joueur. Il apprend un truc. Quand vous êtes au goal que vous voulez tirer en l'air, regardez en l'air quand vous. Bah oui mais je tire en l'air. Quel arrêt. Quel arrêt.
la fin du match. On va passer le mur du son. Le tir du toucan. Le toucan. Divicus a fait le tir du toucan, regardez ça. On donne que des noms d'oiseaux. Le tir du toucan. On donne que des noms avec des animaux avec des ailes. Des animaux avec des ailes, oui, on appelle ça des oiseaux. Non, parce qu'un canard c'est pas un oiseau. Si. Bah si. Bah un canard c'est pas un oiseau. Mais si. Genre un canard c'est un oiseau. C'est un oiseau et c'est un. Elle pousse un oiseau, trou de balle. Même si ça vole pas. Mais bah, pareil pour l'aigle. C'est un oiseau mais c'est un rapace. Bon bah ok, bah super. Bah, c'est genre depuis son enfance. Bah, depuis son enfance on l'a trompé avec les canards. Allez, j'ai pas boue. Tiens. Vous sentez ça? En l'air. Mais putain, mais... Mais putain. Je vois pas que je le fais. Toucan, toucan. Le tir de l'autruche. C'est un tir d'autre contre ton camp. Mais juste parce que tu te fais chier. Non. Non mais il reste une seconde, ça sert à rien. C'est genre une seconde, ça y est, on va revoir le... Regardez-moi ça, il a utilisé la technique de la tour Eiffel inversée. C'est fou comment on dirait des trimars, ce... T'es quoi? Des trimars. Des trimars. Non mais moi, je sais pas c'est quoi ça veut dire. Depuis hier, il dit ça, mais j'y comprends rien. Je crois qu'il essaie de dire primate, mais... Non. Des trimars. Primark. Non plus, ça c'est un magasin, frère. Bah, je sais pas. Des trisomiques. Non plus. Des clochards, des. Non, mais des arpagons. Des mongols, quoi, putain. Des quoi? Des mongols, quoi. Ouais, des autistes. Ouais, voilà. Des ouais, là, on peut pas perdre. Comment ça, on peut pas perdre? Comment ça, on peut pas perdre? On est à Busan, c'est la pire map du monde. On peut pas perdre! Pour mon pays! Pour la mère patrie! Oh, le tir du pigargue! Regardez-moi ce tir du pigargue! Coucou! Cette défense de merde! Ils foncent tous sur la balle comme des glands! Non, moi aussi j'ai chaud. Oh putain, ça a été un beau tir du canard laqué. Ouais, frère, vas-y, je te la laisse. Par la technique de Picsou! Alors, comment tu l'appelles ce coup? Je sais pas. Il l'appelle le Picsou! Wouhou! Non, le Xoupi! C'est le gars, c'est le Xoupi! C'est Picsou inversé en verlan. Il a utilisé la technique du Xoupi! Ah okay. Non. Mais ils sont nuls. Oh la pute. Non. Il y a personne en plus dans le goal. Ah, le bâtard. Albatar. Non, frère. Albatar. Non, mais je sais ce que je fais. Ah, tu fais la technique de l'albatros. Un peu trop. On va passer le mur du sang. Moi, je vais casser votre délire après dès que je vais marquer un but. Il va changer, il va dire un truc du genre le loup, le panda. Il va dire le lapin. Comment tu sais? Bah, je vais faire. C'est bon, quoi. Oh putain, mais arrêtez de la mettre en l'air! La griffe du loup te déchire! La griffe du loup te déchire! Arrête! Porte de fistule!
Putain, mais en fait, c'est fou comment c'est pompé sur Rocket League. Bah oui. Bah, Et Rocket League, eh ben c'est pompé sur les Simpsons. De quoi? J'ai pas vu d'arrêt moi, mais bon. C'était quoi? J'ai pas vu d'arrêt non plus. On dirait des putains de prisons qui courent après une balle. Bah c'est un peu le principe du football. Touchez pas à la balle, touchez pas à la balle. M'en fous. Mais putain, la technique du loup. Ouais, il a rentré quand casse même. Casse les couilles! Il a rentré quand même. Malade! Il a rentré quand même. Je m'en bats les couilles, putain, c'était mon heure de gloire! Il a tiré en mode fuck la police. La technique du loup te déchire! Je me la joue Yamcha. Et là, je me retourne vers le goal et j'y fais. Pourquoi t'es femme vénère? Ta gueule. Pourquoi t'es je pousse la volume! Je sais qu'ils viendront pas, faut me la laisser la balle. Par le canard Colbert. Vas-y, c'est ton moment de vouloir. Non mais là non, c'est... il était pas bien placé le ballon. Vite, la technique du canard Colbert. J'appelle ça comment? Le pourquoi t'es tout vénère. Voilà. La technique du pourquoi t'es tout vénère. Non mais ça c'est typiquement le tir de la du goéland. Parce qu'il l'a mis dans le goal mais lentement. Putain mais c'est drôle quoi. On va passer le mur du sang. C'était la passe du lapin hors de sa cage. Mais c'est ta faune Camille. Oui mais j'ai fait la passe du lapin hors de sa cage. Non c'est la technique de la tour Eiffel ça. En plus t'aurais tellement pu la mettre. C'est tellement ça. Les mecs t'as vu on leur a mis 5-0. Attends c'est pas encore fini. Il nous reste une minute. Ah mais regarde ils sont tellement cons qu'ils ils tapent pas dedans en fait regarde. Vas-y, on met personne au goal, on y va tous les trois. Mais putain, t'es con. La technique du chat nonchalant. Le mannequin est con. Non, 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 non. Il y avait tout le monde dessus, putain! Regarde! Il y a deux oh, oh putain! Aïe aïe aïe! Et là, ils sont tous en mode: on a mis un goal! Sœur Draco, on a mis un goal! Dragonfly, on a mis un drone! Nos parents vont être si fiers de nous! Ça a rien envoyé du lourd. Ça a rien envoyé du coup. Regardez-moi ça, la technique de la mouette. Pourquoi t'es tout vénère? Pourquoi t'es tout vénère? Pourquoi t'es tout vénère? Écoutez-moi ça. Pourquoi t'es tout vénère? On va passer le mur du sang. Tu la mets. Non. Je vais la mettre. Mais non. Non, elle va pas à rien. J'aimerais tellement que tu la mettes. Eh moi je dis j'ai fait 5 buts hein. Action de la partie. Je ne parle pas de Yoko. Machote. Regardez, c'est Chira. De la mouette. Ouais, c'est des taïwanais ça.
C'est comme ça que je ris, moi je fais pas ja 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 ja, je fais derre chi 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 chi. J'ai un coffre. Poya c'était. J'ai un coffre. Bande de racistes. Bon, en fait, au final, on s'amuse plus sur Lucio Ball que sur les autres trucs. Alors, j'ai le nouveau truc de Orisa où elle fait genre. Ah si, bonanda. J'ai besoin d'un verre. J'ai la danse de Genji. Changer demain. Hein? Demain, Lucio Ball il sera plus là. Il change tous les jours. On l'encule, Macron. Non, on encule monsieur le président Emmanuel Macron. Parce que tout ceci là. C'est de la poudre de perlimpinpin. Moi j'encule Manu. Parce que tout ça, le Lucio Ball, déjà c'est de la poudre de perlimpinpin. D'ailleurs, je vais envoyer un goal en utilisant ma technique secrète. La poudre de perlimpinpin. Poudre de perlimpinpin. Par contre, il est passé de justesse. Hein. Le tir de la poudre de perlimpinpin. Et donc voilà, ceci clôture cette session d'Overwatch. Alors il y en aura beaucoup d'autres, elles vont suivre. Et si ceci est la dernière, bah, vous devriez le voir. Il sera écrit 6 sur 6 ou 7 sur 7. Je sais pas combien de vidéos je vais faire. Donc à plus tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à nos deux chaînes. À nous liker tous les deux. Parce que c'est un travail de coopération. Allez, à plus tout le monde. Salut.